À Lille, Grimont-Pré-Joris 1 n'a pas raté ses adieux. Les Dogs se devaient de battre Bastia. Bon, c'était un match avec une ambiance un petit peu particulière, comme quand on quitte un stade et tout un pan d'histoire. On l'avait déjà vécu 30 ans plus tôt en quittant Henri Joris pour Grimont-Pré-Joris. Et dans ces cas-là, bon, il y a une forte motivation des joueurs, il faut absolument gagner, laisser une excellente image. Et puis un sentiment de mélancolie, de nostalgie. 35 années de souvenirs et d'émotions envahissent les tribunes de Grimont-Pré-Joris. Il y a eu deux montées à Grimont-Pré-Joris. Il y a eu deux demi-finales de Coupe de France. Dernier buteur, donc ça reste Matt Moussilou, c'est presque un symbole, joueur formé au club. Bon, il y avait un petit peu d'apparat, il y a eu un feu d'artifice, etc. Il faut maintenant se dire au revoir. Un tour d'honneur émouvant. Mais je crois que c'est à l'intérieur que ça se passe. Hein. Les gens repensent à tout ce qu'ils ont vécu, à commencer par les joueurs. C'est magnifique pour un dernier match dans ce stade. Regardez, les gens, ils sont tous là, personne ne sort. Un stade comme ça, c'est beau, quoi. J'espère que d'ici 2 ans, il sera à nouveau rempli. Mais... on ne savait pas que c'était le dernier match. C'était le dernier match dans la première version du stade. Et finalement, non. Mais en notre fort intérieur, tout le monde était content. Parce qu'on s'est dit, bon, ici, maintenant, si ce n'est pas Grimont-Pré, ce sera un grand stade, quoi. Tout neuf. C'est ici que se jouera une partie de l'avenir immédiat du LOSC. Alors le stadium, oui, ça aussi, c'était une longue histoire, puisque c'est un stade où le LOSC n'a pas voulu aller lors de sa construction. En 1975, et là on était contraints et forcés, et je crois que c'était le sentiment général au LOSC de dire qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas, c'est pas un stade de football, il y a la piste. Et finalement, c'est un stade qui va rester un petit peu mythique, puisque c'est là qu'on aura fait la soudure entre la grande époque d'Henri Joris et aujourd'hui, avec le titre, avec des grands moments. Le LOSC est champion de France. Ce sera dans l'histoire du LOSC, le stadium va rester une pierre blanche quelque part, avant de passer à plus grand. C'est vraiment un club qui marque des étapes. Et là, c'est sûr que le grand stade, on est entré dans une dimension complètement différente, à laquelle beaucoup d'anciens ne pouvaient pas imaginer. Au niveau de l'accueil du public, d'ailleurs on s'est rendu compte que notre moyenne était passée allègrement en un match de 17 000 à 45 000. Je crois qu'on sera constamment dans les 3 ou 4 meilleures affluences de France. Le fait de pouvoir se reposer sur des infrastructures, ça c'est le plus important. Parce que demain, les infrastructures seront toujours là. Nous, on passera. Club vivra.